Bonjour tout le monde, c'est Joël et bienvenue à notre 25e journée de notre défi de yoga de 28 jours de la tête aux pieds. Et notre séance d'aujourd'hui sera une séance de yoga pour les genoux. Alors en arrivant sur le tapis, assis bien droit, les yeux fermés, juste pour quelques respirations profondes pour vous permettre de constater comment vous vous sentez, comment vos genoux se sentent-ils aujourd'hui. Et ensuite, on ouvre les yeux, on se retrouve couché sur le dos avec les pieds à plat. Et en gardant le pied gauche à terre, soulevez le pied droit pour attraper derrière cette cuisse. Et allongez et fléchissez cette jambe droite. Alors, vous pouvez fléchir le talon vers le plafond. Et la jambe n'a pas besoin de s'allonger complètement. Le but n'est pas d'étirer les ischio-jambiers, c'est plutôt de faire travailler un petit peu ce genou. Mais dans une posture où il n'est pas sous pression, nous n'avons pas le poids du corps sur les genoux. Ensuite, relâchez le mouvement, transférez les mains devant le tibia maintenant. Et nous allons résister contre les mains. Alors comme si votre jambe droite voulait s'échapper, mais les mains résistent, résistent, résistent. Inspirez profondément ici. Et expirez pour relâcher, bravo. Joli mouvement de force. On replace le pied droit, on attrape derrière la cuisse gauche. Et c'est la jambe gauche maintenant qui va s'allonger et se replier à votre rythme. Renforçant ce genou. Encore un ici. Et on relâche le mouvement, les mains viennent devant le tibia. Et encore une fois, on résiste contre ses mains. On appuie le tibia qui veut s'échapper, qui veut aller loin du corps. La jambe essaye de s'allonger, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Et expirez pour tout relâcher. Formidable. Roulons-nous maintenant d'un côté pour remonter en position assise. Pour la posture du demi-héros, alors le pied droit viendra proche de la hanche droite, avec le haut du pied qui repose au sol. La jambe gauche est devant nous, elle peut être fléchie ou allongée, et vous pourriez rester assis bien droit, ou sinon vous reposez sur les avant-bras derrière vous. Alors un étirement très intense pour ce genou droit, vous êtes toujours libre de placer un coussin sous la hanche gauche ou entre les fesses et le mollet pour vous donner un petit peu plus d'espace. Respirez ici, nous y sommes presque. Et on remonte, voilà, c'est fini. On s'essaye à l'autre côté. Le pied gauche se rapproche du genou. Flexion plutôt extrême pour ce genou gauche. Maintenant, jambe droite peut être fléchie ou allongée, à vous de voir. Et potentiellement, on se repose sur les avant-bras. Toujours avec la poitrine soulevée, les épaules tirées ensemble derrière nous, relâchez la nuque, la mâchoire, le visage, et respirez. On peut remonter, on libère ce pied gauche, on va simplement se rouler par-dessus les jambes, pour venir dans la posture du sphinx, si jamais vous doutiez qu'il y aurait une posture du sphinx aujourd'hui. Mais cette fois-ci, écartez les jambes, un petit peu plus que la largeur du tapis, et on va à nouveau fléchir et allonger cette jambe droite. Alors juste la jambe droite qui travaille, on amène le pied vers les fessiers, et ensuite on allonge la jambe et on essaye de ne pas retoucher ce genou au sol. Alors le genou flotte à peu près 1 cm au-dessus du tapis. Encore un ici, et on redépose. On va voir si la jambe gauche peut faire pareil, ou peut-être encore mieux. Pied gauche vers les fessiers, et on allonge sans laisser le genou retoucher le sol. Serrez un petit peu les fessiers également. Poitrine bien en avant. Épaules détendues dans le dos. Avant-bras qui s'appuient. Pour vous soulever un tout petit peu plus haut. Et on relâche le mouvement, bravo.
Vous pouvez rester dans cette posture traditionnelle du sphinx ou peut-être plier les deux genoux pour simplement constater si cela change la sensation de la posture, de l'étirement. Restons ici ensemble encore le temps d'une respiration profonde. Et on allonge ses jambes. On se rappuie, on remonte vers une position assise qui peut être de votre choix. Ou peut-être aimeriez-vous me rejoindre dans la posture du héros complet, avec les deux pieds à côté des hanches maintenant, et on est assis entre les chevilles sur le sol. Et encore une fois, si c'est trop intense, amenez des coussins, des briques, tout ce qu'il vous faut en dessous des hanches. Pour constater ici si quelque chose a changé, si vous avez appris quelque chose dans ces quelques minutes. Et bien sûr, nous sommes tellement proches de la fin de nos 28 jours de yoga ensemble, je suis tellement fière de vous. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour notre 26e journée, qui sera axée cette fois-ci sur les mollets. Jusqu'à là, bravo, excellente journée à tout le monde. Merci et namasté.